L'amendement numéro 696, monsieur Roseraine, nous vous écoutons. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre. J'ai défendu cet amendement la semaine dernière en commission des affaires sociales et sur l'avis positif rendu par cette dernière, je le présente à nouveau. Je me félicite de voir que mes collègues de la Haute-Savoie et de la Savoie l'ont également repris pour cet examen en séance publique, montrant ici l'importance du sujet que sont les guides de haute montagne et les accompagnateurs. L'article 11 prévoit les conditions de mise en œuvre de la suppression du RSI et liste ainsi les professions qui seront maintenues à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professionnels libéraux, la CIPAV. Puisqu'il prévoit à son alinéa 182 le rattachement des moniteurs de ski à la CIPAV, cet amendement vise à ajouter donc les guides de haute montagne, les accompagnateurs, puisque leurs situations sont similaires, un rattachement à la même caisse est logique et assurerait du coup une égalité de traitement. Ça vaut aussi pour l'article qui sera défendu plus tard, qui est le 531. Et un point sur, pour répondre tout à l'heure à ce qu'appellent nos collègues la précipitation, moi j'appelle pas ça de la précipitation, mais j'appelle plutôt ça une nouvelle méthode de travail avec une écoute du gouvernement, mais c'est pas du tout de la précipitation.